Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la suite. Alors, je mets le micro. Okay. Ça vient. Hop. Et nous reprenons donc où est-ce qu'on en est. Partie 2, le gala. Ok. Je vais voir ce que j'avais raté là. Oh, j'ai raté pas mal de trucs quand même. Hein. Ok. On y va. Il faut que je la trouve maintenant, la fille. En fait, c'est ça. T'es au boulot quand même. Ah, on dirait qu'il y en a un là. Donc il va falloir monter. Est-ce qu'on peut aller là? Oh, c'est d'où je viens ça? Bah faut pas vous passer. Ah oui mais oui là-haut. C'était traverser le garage, ça paraissait plutôt simple. Ennemi repéré! C'est Jack Joyce, il est pas sans doute. Attention! C'est Joyce! Oh merde! Tout personnel, Jack Joyce s'est échappé. Il se trouve actuellement au garage du centre de recherche et développement. Je répète, Jack Joyce s'est échappé. Il doit être arrêté à tout prix. Derrière lui.
mes affaires. Je dois filer d'ici. Ah, merde. L'alerte a certainement tout verrouillé. Je peux peut-être la désactiver. Faut que j'aille. Ah, là-bas. Oh putain. Une merde. Ah, super. Qui est. Ok, il fallait dans le dos. Tout à fait ce qu'il me fallait. Adventures in Flesh by L. Hakola. Chapter 11. Quelqu'un est en train de passer un livre audio à la radio. Qui que ce soit, arrêtez-moi ça. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Trouvez immédiatement d'où ça vient. C'est censé être un canal sécurisé. Mess, j'ai votre équipement. Mais le docteur Amaral est à la fête. Oui, je viens de l'avoir. Vous voulez être mon cavalier? Avec plaisir. Gardez-moi une saucisse cocktail, je vous rejoins. Seren a terminé son discours et il sait que vous êtes libre. Il vient à votre rencontre. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Je vais l'occuper, mais passer sur la fréquence de Monarch pour être sûr de ne pas attirer son attention. Ça marche. Je vous rejoins à la fête. Lâchez la pression. Lâchez l'affaire. On a pris le choc. Tire de suppression. Devilish grin. Well, he said, adventures in flesh. On the by L. Had picked up the oversized 11. Quelqu'un est en train de passer un livre audio à la radio. Qui que ce soit, arrêtez-moi ça. Exasote.
ce soir, arrêtez-moi ça, et que ça saute. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Trouvez immédiatement d'où ça vient. C'est censé être un canal sécurisé. Par où on passe? On passe par là. Hein. Donnez-moi la position exacte de Joyce immédiatement. Numéro 1 Monarque va l'intercepter. Ah oui, il est là. Ici Homeguard 5. Je viens de le voir entrer dans le réseau de tunnels situé derrière le parterre. Bess. En route. Il vient de liquider toute mon escouade. Envoyez tout de suite des renforts. Attention à toutes les unités, dirigez-vous vers... Qu'est-ce qu'on a là? Je voyais le manoir où le gala avait lieu. Je devais trouver un moyen de m'y rendre. Je voyais le champ d'énergie d'un autre absorbeur de chronon de Monarque. Il neutraliserait mes pouvoirs. Je devais trouver un moyen de le désactiver. Mes pouvoirs seront sans effet dans cette zone. C'est pas le moment de s'endormir. Il est le mec. Ah oui ? Ah mais non. Vous vous rendiez à la fête. Quel était votre plan ? Il fallait que j'intercepte le docteur Amaral avant la fin de l'interruption et avant que Monarque me repère. Il n'y a pas de truc... Il doit bien y avoir moyen de franchir ce portail.
Des munitions, bah voilà. Non, mais c'est quoi, qu'est-ce que... Où est-ce qu'il faut aller? C'est la seule entrée du tunnel par laquelle Joyce aurait pu passer. Surveillez la sortie. J'y vais seul. Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'aide? On a vu de quoi Jack était capable. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. S'il rejoint le continent, on le perdra définitivement. Surveillez la sortie. Ah, il part pas là-bas en fait. Ok. Ok. On peut pas aller plus loin. Baisse doit être quelque part par là. Je dois la trouver avant la fin de l'interruption. N'importe quoi. Le discours de Monsieur Seren avait fait un tabac. La fin du monde approchait, mais la petite sauterie suivait son cours comme si de rien n'était. C'est sûr qu'il faut qu'il la fasse boire. C'était logique qu'elle le faisait boire. On doit aller dans le bureau du docteur Amaral. Cette interruption peut s'effondrer à tout moment.
Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé? Il y a un ponton d'amarrage à l'extérieur du manoir. D'accord, ça peut marcher. Elles sont moches en peinture. Oh merde! Ce drone! Il est au mauvais endroit, au mauvais moment, littéralement. Jack, le docteur Amaral est là-dedans. On doit la faire sortir avant que le temps reprenne son cours. Oui, bah j'arrive, c'est bon. Mieux vaut qu'on se dépêche de retrouver le docteur. Jack, faites-la avancer avant que le temps reprenne son cours et qu'on finisse en passoire. Allons-y, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est en train de se produire. Vous êtes Jack Joyce. Vous êtes là pour me tuer. Non, mais vous venez avec nous, on a besoin de vous. Non. Vous n'avez pas le choix. Elle s'effondre. Vite. Il est où ce putain de bateau? Juste là. Allez-y! Faites la montée à bord, je les retiens! Venez, allez! Vous finirez par le payer! Merde! Mais Stryker! Dispersez-vous! C'est Josh! Il a réussi à nous échapper! Ne laissez pas s'échapper! Prévenez vite, monsieur CN! Gagnez les... Jack! Il ferme la barrière! On sera coincés si vous n'ouvrez pas pour nous! Je m'en occupe! Filez dès que vous pouvez, d'accord? Je dois ouvrir cette barrière.
Voilà. La barrière est toujours fermée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ta gueule. Vous pouvez y aller. Je peux revenir pour vous aider. Non, non, allez-y. On s'est donné tous mal pour elle. Bess, faites en sorte qu'il y arrive rien. Je trouverai un moyen de sortir. Mon plan était simple. Un pont reliait l'île au continent. J'avais l'intention de repousser tous les obstacles que Monarch mettrait en travers de mon chemin et de voler une voiture afin de retourner à la piscine. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous vivants pour la prochaine étape. On verra bien ce qui se passe. Je vais l'un après l'autre. Si le docteur Amaral était parti, il était temps que je mette les voiles. Et pour ça, il me fallait une caisse. Bon, ouais, c'est l'heure de se tirer d'ici. Voiturier, le service préféré des voleurs de voitures à travers le monde. Et voilà, étape 3 finie. Et bien je vous remercie, n'hésitez pas à suivre la suite. Hein. Donc à mettre un petit like, à vous abonner, un petit commentaire si vous voulez sur mes différents réseaux sociaux. Merci beaucoup et à la prochaine.